J'ai glissé. Aujourd'hui, on va te sauter un nouveau kit de Selim avec du Selim qui brille dans la nuit. Oh hey, on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine des expérimentations. Bon, c'est tout simplement une cuisine en fait, où on fait à manger des petits steaks hachés et tout. Mais aujourd'hui, nous allons te sauter un nouveau que j'ai trouvé dans le magasin. Il est très joli, il est portatif, il est comme ceci. La c'est le kit Selim. Planète science, la chimie du Selim. Oh, mais alors vous allez me demander pourquoi je fais ce kit. Eh bien parce que j'ai envie de vous reparler de ma chaîne de jouets. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, pour les plus fidèles petits paliers de la team palmier le savent, j'ai ouvert une chaîne de jouets où tous les jours j'ouvre et je déballe un jouet différent. Il peut y avoir de la pelette d'eau, de la pâte à modeler, des poupées, des Lego, du Selim aussi, bref, un jouet nouveau par jour que je déballe, que je teste et tout. Ça s'appelle les meilleurs jouets. Parce que comme c'est moi qui choisis, je choisis forcément les meilleurs jouets. Voilà. N'hésitez pas à venir sur la chaîne des meilleurs jouets, parce qu'on est bientôt 10 000 sur la chaîne abonnée. C'est super cool, merci beaucoup. Je vous mets le lien dans le petit i, dans la barre d'infos, n'importe tout. Allez-y, abonnez-vous. Oui. Donc c'est un kit qui se vend en magasin et qui nous permet de faire du Selim coloré et fluorescent. Et comme ceci. Très joli boîte. C'est à partir de 8 ans. Voilà la boîte, elle est très jolie. On voit un petit garçon qui fait de la chimie et il fait du Selim qui dégouline et tout. Donc ils nous disent qu'on peut faire 6 types de Selim, mais c'est parce qu'en fait il y a 3 couleurs. Il y a du rose, du jaune et du bleu. Du coup ça fait 1 Selim, 2 Selim, 3 Selim. Oh je sais, on dit slime, ça va. Bon bah moi je dis Selim. Bon, ah, donc 1 Selim, 2 Selim, 3 Selim. Mais si on mélange les couleurs, on peut faire un jaune et bleu, un jaune et rose et un rose et bleu. Bah voilà, ça fait 6. Et au dos, eh bien, au dos, il nous explique que tout ce qu'il y a à l'intérieur, il nous notice un déchet. Comment j'appelle ça, un pot? De la poudre à Selim. Oh, c'est rigolo, c'est un Selim en poudre. Les colorants, une spatule, une mini cuillère, 3 pipettes, 3 pots de rangement. Et voilà. Mais comment ça, 3 pots de rangement? Ils nous disent qu'on peut faire 6 Selim et on a que 3 pots de rangement. Ben, on range en haut les 3 autres Selim qu'on aura fait. Oh, dingue! Vous pensez à quoi? À brûler un petit peu là. Ce n'est qu'une boîte, je vais pas m'énerver avec elle. Elle s'est parti. Par le l'ouvrir, il y a un film peu aseptique tout autour, ça glisse, il faut un couteau. Ah, j'en ai un. Attention les enfants, il faut pas manipuler les couteaux, ça peut être dangereux. Alors, comment je fais? C'est bon. Oh là, voilà, comme ceci. Ouh là 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 là, allez, on retourne. Ah, ouh, il y a plein de choses dedans. Donc voilà ce qu'on a quand on ouvre la boîte, un petit fascicule Santos FER qui nous explique tous les kits qu'on peut avoir dans cette même marque. Il y a un mode d'emploi qu'on va se servir parce que quand même je sais pas trop comment faire avec ces kits. Oh, on peut faire des poils. Oh, c'est rigolo, un skin poilu. Regardez, ils expliquent vraiment les choses scientifiques et tout pour apprendre comment ça marche le slime et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous le mets en gros. Voilà. Et ensuite, en dessous, c'est comme ceci, c'est trop mimi. On a les 3 récipients, on a les 3 colorants, on a les 3 pipettes, on a la poudre à Selim, on a le déchet, le petit baume, on a une mini cuillère, regardez comme elle est mimi cette cuillère. Ah, elle est trop mimi. Ah, mais rentre. Et on a une spatule, voilà. Alors, pour faire le Selim, c'est juste ici, il y a 6 étapes à suivre, je vous montrerai. Donc, en fait, vous voyez, il y a d'abord versé la poudre. 22, bon, ensuite il faut choisir quelle couleur de Selim on veut faire. Et en fonction de la couleur, il faut mettre tant de gouttes de colorant, c'est plutôt bien indiqué. Ensuite, il faut mettre de l'eau plutôt chaude. Et ensuite, il faut transvaser, et ensuite il faut mélanger et mettre dans les petits pots. Alors, on va commencer par faire le Selim bleu, parce que c'est le plus simple. Pour ceci, donc je dois prendre... Ah, j'ai tout écocité. Oh, un petit bocal. Je vais plutôt prendre un verre comme ceci, parce que c'est rigolo et c'est joli. 22 mini cuillères de poudre à Selim. Oh, jaune. Voilà, c'est une poudre, tout ce qu'il y a de plus poudre. Rigolo. On peut faire un zoom sur la poudre. Zoom sur la poudre. Rigolo. Ensuite, on va mettre le colorant. Alors, on va faire le bleu. 12 gouttes de bleu. Il faut remplir le petit pot avec 30 ml d'eau. Et en plus, c'est rigolo parce qu'il y a écrit les millilitres ici. Donc, j'adore. Et c'est de l'eau chaude. Voilà. Il faut mettre le colorant dans
vais remplir la pipette. Wouh, regardez, 12 gouttes de bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oula, 7, 9, 10, 11, 12, hop là. Je sais plus exactement, j'ai fait trop, pardon. Bah, on va dire que c'est 12, voilà. Ouh, regardez le mélange bleu, comme il est beau, il est tout bleu. Oh, j'adore, faut remuer un peu pour que tout se mélange, et puis voilà. Ensuite, il faut verser la préparation de couleur dans le sélim, enfin, dans la poudre sélim. Voilà, on a tout mis. Alors maintenant qu'on a ce petit mélange-ci, il faut mélanger, touiller avec la sepatule qui est un plus. On va voir si ça marche. Alors, on va mélanger avec la petite sepatule et on va voir si... Oh là, oh là, ça marche déjà. Mais dis donc, j'ai même pas mélangé que ça marche déjà. Oh, c'est mimi. Regardez, enfin ça fait plus une pâte gélifiée qu'un vrai sélim, j'ai l'impression, non? Regardez, ça se détache en fait, ça fait pas comme du sélim. En tout cas, c'est joli, hein, c'est bleu, c'est waouh waouh. J'adore. Waouh, c'est beau. Regardez. Ah, mais ils disent de mélanger pendant 8 minutes. Oh là 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 là, 8 minutes. C'est écrit ici, 8 minutes. Non mais vous vous rendez compte, mélanger pendant 8 minutes? Bon bah, demandez à quelqu'un, hein, si c'est trop compliqué pour vous. Max. J'en peux plus, j'ai mal à la main. J'ai tombé le sélim. Vous avez rien vu? Parce que oui, le sélim il est beurré. Au début ça faisait comme une espèce de confiture et tout, mais maintenant ça fait vraiment comme du sélim. Je vais vous montrer des plus beurrés. Pardon, c'est un petit rototo. Regardez, vous voyez? Là, il est complètement slimé, le solide. Il fait wouh! Ah, j'arrive même plus à le peurendre avec la sepatule. Ah, bien là! Tout à l'heure, tu le faisais! C'est peut-être le moment de le prendre à la main. En tout cas, il colle plus du tout sur la sepatule. Enfin, presque plus. Oh! Rigolo! C'est vraiment du solide. Oh, il est tout roux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a encore un peu de poudre. Oh, mais c'est n'importe quoi! Mais je pensais que tu avais bien mélangé, moi! Ça marche plutôt pas mal. Il est joli, tout bleu, on dirait du dentifrice en sélim. Oh, j'adore. Voilà, vous voyez, il est comme ceci. La texture, elle est un petit peu bizarre. C'est pas vraiment comme du sélim qu'on avait déjà fait par le passé. Mais ça se rapproche. C'est plutôt rigolo. C'est chaud, est-ce que j'ai mis de l'eau chaude? C'est plutôt agréable dans les mains. Oh, j'adore. Il est tout doux, tout joli. Hop là, il est là. Puis surtout, c'est très simple à faire. J'aime plutôt pas mal. Rigolo. Regardez de plus près. Il est beau. Bon, on va tester, voir s'il brille dans la nuit, parce qu'ils disent qu'il est fluorescent. Donc je vais éteindre la lumière. Yeah. Vous voyez, là, c'est tout noir. Bah, vous voyez pas. Bah non, bah, en fait, il s'allume pas. Hein. C'est la renaque. Oh, qu'est-ce que c'est que cette renaque? Ils disent quoi dans le manuel? Les colorants que tu utilises sont fluorescents. C'est pour cela que les couleurs sont plus lumineuses. Ah, c'est pas que ça s'allume dans le noir. C'est que c'est plus lumineux. Et c'est vrai, il brille plutôt pas mal. Regardez, en fait, on voit que c'est comme si la lumière sortait lui-même. Mais en fait, non, voilà. Il est très mimi, j'aime beaucoup. Waouh. Et ensuite, du coup, ils disent qu'on peut le ranger dans le petit pot. Oh, il y a un peu route. Oh, ça marche, les routes. Oh, oh. Oh. Rigolo, j'adore. Lâche-moi. Il est trop mimi dans son petit bocal, regardez. J'attends. Il fait dodo. Alors, on va faire le vert maintenant, couleur type palmeillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Ça y est. Il faut mettre de l'eau chaude pour faire le vert. 40 gouttes de jaune. Ouvre-toi, c'est les jaunes. Ah voilà. Tout mimi. 40 gouttes de jaune. 1, 2, oh là là. Regardez comment il fait. C'est du jaune folio. Oh waouh. On a mis 42 jaunes. Maintenant, je vais mettre 4 de bleu. 1, oh, 2, oh, c'est trop beau. 3, 4, voilà. Oh, c'est trop mimi. Waouh, regardez. Ce robot, ce vert. C'est vraiment un vert couleur palmeillé. Il faut le mettre dans la poudre. Attention. Yeah. Oui, on va mélanger. Et voilà, je mélange le mélange. Ah, je mélange le mélange. C'est rigolo. Ça a l'air plutôt pas mal. Et voilà, il faut mélanger pendant 8 minutes. Ah oui, là c'est vraiment fluorescent, hein. Regardez, là il n'y a pas à dire, c'est trop robot, trop joli. Et voilà, le sélim est vrai. Regardez comme il est trop beau, il est trop mimi. Type palmeillé. Ouais, fluorescent, c'est fluo. Waouh. Oh, regardez comme il est mimi. J'adore. Magnifique. J'aime beaucoup. Il s'étire bien, il a une bonne texture. Tellement brillante, je sais pas si vous arrivez à voir. Ouh, c'est flashy, hein. C'est boum dans ta face. Rigolo. Je vais créer les 4 autres couleurs de sélim. Bah d'abord, je vais le ranger dans son petit pot. Ce robot dans sa petite fiole. Tout mimi. On va le mettre à côté de son ami le sélim bleu. Donc là, je vais faire le slime rose. 20 gouttes. 1, 2,
trop. Oh, c'est un robot déjà. Eh ben, ouh, c'est un robot. Dans la poule. Yeah. J'attends. Et voici le slime rose. Regardez-moi cette couleur. Ce robot, c'est un rose fluo. J'ai jamais vu ça. Ouh, j'aime beaucoup. C'est waouh. Waouh. On dirait du bonbon et tout. C'est waouh. Trop joli. Voici le slime rose. Regardez. Waouh. Wow. Trop beau. Et voici le petit slime rose dans son étui. Il est trop mimi. Waouh. Regardez, je vais faire le violet maintenant. 2 gouttes de bleu. 2 10 gouttes de rose. 10. Voilà. Oh, c'est magnifique. Regardez. Violet fluo. Il est un robot. Dans la poudre. Oui. Et voilà, j'ai fait le violet. Oh, il est trop mimi lui aussi. J'aime trop. Ah, c'est rigolo. Il est mimi. Bah lui, j'ai plus de place pour le ranger donc. Merci. Donc là, je vais faire le slime orange. Donc j'ai mis 30 gouttes de jaune. Il faut mettre 10 gouttes de rose pour faire le orange. Attention. Et voilà, c'est tout. Oh, c'est un robot. C'est magnifique. Dans la poudre. Et voilà. Et voici le orange. Tout mimi. C'est le poké. Poké. Du jus d'orange en slime. Ah, oh, c'est rigolo. Mais bon, attention, hein, ça se mange pas. On voit toutes les nuances du orange. J'ai plus de récipient. Mais réussi le kit de ne pas avoir mis 6 récipients. Tout mimi. Donc voici le mélange jaune, j'ai mis 40 gouttes de jaune et bah j'ai fini toute la poudre donc je vais verser le mélange dans la poudre. Ouh, c'est vraiment jaune fluo, j'adore. Et voici le slime jaune, il est trop mimi, jamais vu ça avant. Focus, dis donc c'est un focus qui entend parce que dès que je dis focus, il fait le focus. Il est vraiment fluo, tout robot, waouh. Et voici le slime jaune, vraiment jaune fluo, tout doux. Bon bah maintenant je vais vous faire un petit défilé des 6 couleurs de slime qu'on a fait aujourd'hui. Ouh. Le processus pour les faire est vraiment très simple. Il y a juste assez pour faire ces 6 petits bouts de slime. Et plus on attend, et plus le slime se forme en slime. Et si vous voulez voir d'autres créations de slime et surtout plein de jouets, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, les meilleurs jouets. Chaque jour, un nouveau jouet. Ouais. Et je fais même du slime. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre couleur de slime préférée parmi ces 6. Si cette vidéo vous a plu et si vous aimez le slime, laissez plein de petits pouces bleus. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ah, merci. Bisous, bisous.